Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 août 2016 et je vais semer des noyaux de Reine Claude. Donc c'est des prunes. Donc voilà. Donc j'en ai pas mal. Donc voilà. Pour faire ceci, vous aurez besoin des cageots, des godets, du terreau avec du sable. Donc le sable sert à drainer pour pas que pour éviter que les noyaux pourrissent. Donc j'ai fait un mélange, hein. Terreau, sable. Ah, plastique. Voilà. Donc c'est parti. Donc prends un noyau. Hop, on le plante. Voilà. Donc je fais ça et à tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé de semer les noyaux. Donc j'ai pas tout semé, il m'en reste plein encore. Donc j'ai semé tout ça de. Alors j'ai noté quelque part. Ça c'est la Black Amber, cette cassette-là. Black Amber. Et là il y a un pot de Mirabelle. Donc c'est le seul noyau. Sinon le reste, ça c'est de la Reine Claude. Ça aussi, et ça aussi. Donc ça, en fait, vous pouvez récupérer un petit, donc là c'est un truc de carreau drapé, un petit contenant comme ça, non percé. Vous mettez des billes d'argile ou des cailloux, moi j'ai mis des cailloux. Voilà, vous mettez du sable et vous faites des couches comme ça. Donc cailloux, couche de sable, donc 2 cm, voilà à peu près. Mettez une couche de noyau, du sable, des noyaux, du sable, et voilà. Ensuite, vous laissez ce pot-là dans le garage ou dans la cave. Surtout pas mettre dehors, sinon l'hiver, quand il va pleuvoir, et ben ça va être rempli d'eau et c'est pas bon, les noyaux ils vont pourrir. Donc voilà, donc moi je vais le laisser là. Tout l'hiver, il va passer dans le garage. Et sinon, les autres contenants. On va les mettre au nord. Voilà. Et ils vont passer tout l'hiver au nord. Et au printemps suivant, ils vont germer. Donc la profondeur des noyaux, c'est 1 cm et demi, 2 cm. Et voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc j'ai testé, j'ai fait plusieurs essais. J'ai mis des noyaux dans du sable. Des noyaux dans du terreau et du sable. Le petit contenant que vous venez voir là. Voilà. On verra bien ce qui va fonctionner ou pas. Donc, je vais mettre cela au nord et à tout de suite. Et voilà, donc je les ai exposés au nord. Donc, surtout ne pas oublier d'arroser. Hein, voilà. Donc, ça, c'est la Black Amber avec de Mirabelle. Reine Claude, ça, c'est tous des Reine Claude. Voilà. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Voilà. Donc, je pense que je vais pas planter tout ça hein, dans mon jardin. Je vais en planter dans la nature. Comme ça, après, je sais où sont les pruniers. Et comme ça, je viendrai récolter les prunes. Donc, voilà. Bon, bah, faut être patient maintenant, hein. Là c'est le nord. Voilà. Maintenant ils vont passer tout l'hiver ici. Au frais. Et au printemps. Tac, tout le monde va germer. Enfin j'espère en tout cas. Bon allez, sur ce je vous laisse. Profitez bien du beau temps. Et à bientôt.